Bon allez, dernière, la dernière est là, on est 6. Alors j'ai bien cru qu'il n'y aurait pas assez de monde, mais si c'est bon, ils sont arrivés à la fin. Donc il y a 3 rookies, dont moi. Il y a peut-être moyen de faire un podium. On va essayer en tout cas. Évidemment, on va pas jouer la victoire vu qu'il y a l'autre con d'Alien. Insupportable. Léo là. Allez, dernière course sur ce combo. Alors, je dis pas que je referai pas du rallycross. Hein. S'il y a une course de Formule V qui me plaît pas, bah, je switcherai sur du rallycross ou de la Mazda, clairement. Pour que ça change un peu pour vous aussi, que ce soit pas toujours les mêmes courses, quoi. Three wide! Allez, déjà 3 de moins. Oh là, un peu dur la réception là. Ça glissouille. Ah, il faut se mettre dans le rythme. Ils sont déjà 4 secondes d'avance. Hein, faut... C'est quoi ce délire, franchement? C'est indécent, quoi. Je referai pas une quatrième place, c'est mort. On va tout faire pour finir troisième. Hein. Derrière, je sais pas ce qu'ils foutent par Fernando. Ils font n'importe quoi. Enfin, David, pardon, Fernandez, pas Fernando. C'est dommage hein, qu'il soit là, Léo Brown, là, parce que j'aurais eu plus de victoires, je pense, sans lui. Ou au moins plus de deuxième ou troisième place, quoi. Le mec, le dernier jour, il a juste fait toutes les courses des sessions, enfin, toutes les sessions, mais il fait ça que... passe sa journée à faire ça. C'est terrible, hein, quand même. De pas avoir de vie à ce point, quoi. Il fait absolument toutes les courses. J'ai regardé ses résultats, c'est terrible. Moi, sur la dernière journée, j'ai dû en faire 4, quoi. Pas plus. Qui est déjà beaucoup hein. Enfin bon ça c'est 10 minutes la course même pas. Ça passe vite. Mais lui il est toute la journée en fait. C'est catastrophique ce mec. Bah alors Jojo, si t'arrives. Vas-y, je vais me débarrasser du Joker Lap. Ouh, la ligne blanche. C'était limite là. Je suis un peu allé franco à la sortie du virage.
Alors, ce qui va être problématique avec ces courses, par contre, c'est le manque de spectacle sur certaines d'entre elles, quand même. Là, globalement, même si le circuit est court, faut avouer qu'on était un peu isolés, tous. Hein. Et à cause de quoi? Parce que on était 5 ou 6 en général, donc on se retrouve vite tout seul, finalement. Même sur un petit circuit comme ça. Il faudrait des courses à 9 ou 10. Ça serait beaucoup mieux, quoi, en fait. Ça serait un peu plus le chaos, mais ça serait pas mal, quoi. Quand on est 8, c'est mieux, déjà. Même 6, hein, c'est limite, je trouve. C'est pas assez. Là, on se fait chier, par exemple. On dirait une course de F1 en 2023, quoi. Bon, j'exagère un peu, mais... C'est un peu l'idée, quand même. Mais là, regardez, je suis dans un No Man's Land. Devant, il y a 10 secondes d'avance, et derrière, il y a 12 secondes de retard. Rien que ça, quoi. C'est trop. Je parle même pas du leader qui, lui, va coller un tour au quatrième, limite. C'est indécent, hein. Bon, après, voilà, on en fera des rallycross. J'aime bien la discipline. J'attends de voir sur d'autres circuits ce que ça peut donner. Le circuit là est pas mal, en vrai. J'attends de voir la version courte, ce que ça peut donner, par contre. Là, c'est la version longue. Donc, j'ai hâte de voir ça. Et on en termine donc avec cette discipline, pour l'instant. Tac. Finito. Bon, bah, petit podium pour finir, voilà. C'est toujours ça de prix, hein. Mais écoutez, c'est pas passé grand-chose, à part le début, bon... bof, hein. C'est pas passé grand-chose, quand même, dans cette course. Ouf. Non mais derrière, les assassins, quoi. Ça commençait mal pour eux. Hein. Début de course, j'ai un peu galéré à me mettre dans le rythme, mais après ça a été quoi. Non mais il l'a poussé là. Qu'est-ce qu'il a foutu? L'autre il a plus... Mais... Pourquoi? L'autre il a plus de moteur, comment il roule encore là? C'est incroyable. Hein. Alors notez qu'il n'y a pas de joker hein, pour rattraper, pour réparer les voitures hein, sur cette discipline pour le coup, donc lui il était mort. Très bien. Alors du coup, troisième, en partie sixième. Je vais regarder quel est le circuit après, quand même, avant qu'on se quitte. Donc 40 courses au final. Alors le programme, ça donne quoi? Charlotte Motor Speedway Rallycross. Phoenix. Alors, Daytona Short. Déjà, j'aurais bien le tester celui-là. Charlotte Motor Speedway Rallycross, je sais pas du tout ce que ça peut donner pour le coup. Ouais, bah. Peut-être que je ferai une ou deux courses quand même pour voir ce qu'il en est dans ce combo-là. Phoenix Raceway, j'aime pas trop. Donc, je ferai pas celui-là. Celui-là, je testerai aussi, je pense. Et puis le reste, on verra quoi. Il n'y a pas trop de diversité de circuits, hein, pour le coup, c'est toujours les mêmes, quoi. Il y en a trois, en fait. T'as le short, Charlotte, Phoenix, le long, t'en as quatre. C'est pas énorme. Très bien, bon, bah, écoutez, voilà. Formule V, Okayama. Et oui, on est du coup le combien? On est le 10 juillet, hein.
2023, vous, il est début octobre, je crois. Le 7 ou le 8, donc vous voyez le retard que j'ai, quoi. Oui, parce que si je devais mettre toutes les vidéos que je fais, il y en a beaucoup par jour, donc je préfère étaler ça sur plusieurs mois. Allez, à plus, sûrement, la Formule V, du coup. Bye.